Salut, salut, ici Anne de Plaisir Keto. Ici, on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je partage des astuces, je partage des idées, des recettes, je fais des expérimentations, je fais des challenges pour aider à vivre en mode keto, céto sans se prendre la tête. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Comme vous avez vu dans la dernière vidéo, je paraissais bien fatiguée, je me suis reposée, donc j'ai un regain d'énergie et j'espère que tout va bien aller en tout cas pour ce retour. Aujourd'hui, je suis habillée en tenue de combat. En tenue de combat parce que, ben, pour le fun, juste pour le fun, quelqu'un a dit que nous sommes en guerre et... Vous imaginez quelle guerre? Cette chaîne n'est pas une chaîne politique. Ici, je parle plus des keto, des affaires keto, alimentation. Mais nous sommes aussi en guerre. On mène la guerre contre les junk food, par exemple, qui nous rend malades, qui affaiblissent notre système immunitaire. Alors ici, c'est juste de voir comment on peut faire des choix santé pour renforcer notre système immunitaire, justement pour... gagner cette guerre. Alors, aujourd'hui, je vais parler beaucoup plus du challenge du mois de septembre. Les vacances sont terminées, on s'est amusé, on a relâché. Heureusement, on n'a pas pris beaucoup de poids, mais je pense que en septembre, il faut revenir en force. En août, j'ai voulu faire un challenge avec un groupe qui fait keto, que je suis. Mais je dois avouer que je n'ai pas bien réussi ça parce que j'étais en vacances et je suis sortie de ma diète, j'ai fait beaucoup de folie. Alors en septembre, j'aimerais que ce soit un peu plus sérieux, un peu plus focus. Et je voudrais partager ça avec vous. Dans cette chaîne, je vous ai souvent recommandé d'autres chaînes qui promeut l'alimentation keto, qui organise des challenges, qui font des choses gratuites parce que c'est disponible et vous pouvez aussi en profiter. Mais très souvent, c'est en anglais, malheureusement. Mais si vous comprenez un petit peu l'anglais, c'est facile en fait. Et là, j'aime beaucoup suivre ceux qui font les challenges. Moi, personnellement, je n'ai pas le temps de faire des challenges, de les organiser parce que c'est beaucoup de travail et pour le faire, il faudrait vraiment que j'aie de l'aide. Je n'ai pas d'aide pour le moment et ce que je fais avec mon activité principale qui est d'offrir les services financiers, ça me prend beaucoup de temps et l'alimentation cétogène, c'est devenu juste, c'est un style de vie mais que je partage parce que j'aime ça et donc j'en profite juste de temps en temps comme ça pour essayer de partager des idées. Mais en septembre, je voudrais me donner le challenge aussi de filmer plus régulièrement. En fait, j'ai pensé même à filmer chaque jour, mais vraiment, je ne suis pas sûre que je vais y arriver parce que c'est pas facile. Une fois de plus, c'est du travail, mais je vais voir. Je vais voir si je ne peux pas faire chaque jour, au moins plus régulièrement, montrer un peu des jours. Et ce challenge de septembre, je vais en parler tout de suite. Je l'ai imprimé. Je vais mettre dans la description le lien pour avoir ce programme. Le programme, ça dit un peu comment s'alimenter à chaque jour. Ça ne vous dit pas qu'est-ce qu'il faut manger spécifiquement. Ça ne dit pas qu'il faut manger du poulet, des ceci. Ça ne combine pas les repas. Mais ça dit par exemple, comme le 1er septembre, c'est un jour sans produits laitiers. Donc, pas de produits laitiers. Et on mange à Protein Sparing Modified Fast, donc en français c'est le jeûne protéiné modifié. C'est cette alimentation là qu'on doit prendre ce jour là. Et donc c'est un jour de jeûne protéiné, high protein, donc élevé en protéines, maximum 10 g de carbs. Ici on compte des gras bruts, c'est pas les glucides nets, c'est les glucides bruts. Donc 10 grammes maximum, ça c'est vraiment petit, et 30 grammes de gras maximum la journée. Et puis, prenez une marche, take a walk, prenez une marche. Donc à chaque jour, on dit par exemple, jour de jeûne protéiné, pas de ceci, mangez comme ça, mangez, mais on ne vous dit pas spécifiquement ce que vous mangez. Donc il faut savoir quoi manger en fait.
Ensuite, le jeudi, le 2 septembre, c'est un jour de jeûne classique, 16 heures, avec une plage pour s'alimenter de 8 heures. Et donc, c'est un jour de keto régulier. Donc, pour quelqu'un qui fait keto, c'est son jour keto régulier. Donc, il mange comme un jour de keto régulier parce que le jour de jeûne protéines modifiées, ça diffère du keto régulier. On mange autrement parce qu'on met l'accent sur les protéines. On diminue le gras alors qu'avec l'alimentation keto, céto, on augmente le gras. Et puis, on dit de bouger le corps, move your body, donc faire du sport, de l'exercice. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un programme comme ça qui combine à la fois keto, jeûne protéiné, des jours où on ne prend pas des produits laitiers. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Et cette combinaison-là, des jours où on fait, ça fait que bon, le corps ne s'habitue pas trop à une certaine façon. Le corps a quelques chocs au courant du mois. Et ça peut donner des bons résultats. En tout cas, ça donne des bons résultats à l'intérieur, c'est qui est sûr. Il ne faut pas mettre l'accent sur la balance à l'intérieur, c'est qui est sûr, ça donne des bons résultats. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. Si vous voulez m'accompagner dans ce challenge, vous êtes bienvenue. Elle a aussi la personne qui fait ça, sa chaîne, c'est Loving It on Keto. Donc, ça, c'est sa chaîne YouTube. Et elle le fait avec son mari. Harry et Wendy, donc elle s'appelle Wendy, ce sont des personnes d'un certain âge, mais qui ont décidé de prendre en main leur santé, et puis voilà, dans sa chaîne, elle montre comment, vous savez, le pain protéiné modifié, elle fait différentes façons, elle fait des modifications, elle fait des ajouts, bon, vraiment, c'est tout à fait intéressant. Les vidéos sont souvent assez longues, il faut être patient pour suivre tout ça, mais moi en fait, si je fais des vidéos pour ce mois de septembre assez régulièrement, mon défi sera de les faire en dessous de 10 minutes. Je veux vraiment pas faire plus que 10 minutes, je veux que ça soit short and sweet, donc court et sucré. Donc ça va être comme ça, tout court et juste pour donner des idées et juste pour me rendre aussi accountable, pour me rendre engagée, parce que j'ai remarqué que lorsque je filme ce que je dois manger, je suis plus focus, je m'égare moins. Donc ça sera ça pour le mois de septembre. J'espère qu'on va le faire ensemble. En tout cas, je vais faire des vidéos pour vous donner des idées. Et aujourd'hui, ça a été une belle journée, une journée de travail assez classique. J'ai eu comme premier repas, un de mes meilleurs premiers repas qui sont comme de petit déjeuner. Donc, les saucisses à déjeuner avec les gaufres. Les gaufres, cette recette de gaufres, je vais la partager un jour. C'est une adaptation de la version protéinée modifiée. C'est moi ça. Qui est très riche en protéines et très 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 bon. Donc c'est ça que j'ai eu. Ouais. Et c'était fun. Donc c'est ça. Donc pour le 1er septembre, le premier jour, ça sera un jour de jeûne protéines modifiées. Et j'espère filmer, vous montrer comment est-ce que d'habitude, bien, un exemple de jour de jeûne protéinée modifiée, ce que je mange ce jour-là pour vous donner des idées. Ah, en tout cas, c'est tout. Je ne vais pas être plus longue. C'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous donne des idées. Et d'ici la prochaine fois, on continue à se nourrir que du bon. À bientôt. Bye bye.